Salut à tous, c'est Alix et bienvenue sur une série de compilations de jeux sur un Game Boy en fait, un Game Boy et peut-être Game Boy Color. Des jeux qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune et que franchement j'adore rejouer même aujourd'hui. Et nous allons commencer par Batman, le jeu vidéo. Il était excellent. Chimique. Blablabla. Donc on peut sauter, on peut tirer, et le but c'est bien sûr d'arrêter les méchants. Hein. Donc on a un Batman qui est armé d'un flingue. On a des power-ups et tout ce qui va avec. Ça me ramène à l'époque où j'étais encore jeune. très bon jeu n'empêche. Hein. Quand on arrive à y jouer. Et pas l'un des plus durs, hein. C'est une fois qu'on a pris le coup de main, qu'on connaît un peu les power-ups. Ça va très vite. Hein. Puis la musique est classe, quoi. D'ailleurs, je crois qu'il est sorti en 90, ce jeu. Juste avant la série animée. On ne peut pas faire grand chose, hein. Alors on saute, on tire et c'est tout quoi. N'attendez pas non plus à des trucs de fou. Je l'ai fini d'innombrables fois et je me lasse vraiment pas de le refaire à chaque fois. Comme on le sait tous, hein, Batman a un pistolet qui tire des balles qui font des vagues. des ennemis assez variés, hein, sachant qu'on se bat, qu'on fait. Je crois que c'est basé sur le premier film. Je veux pas vous dire de conneries. Et je joue comme une quiche. Mais bon, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Il est très facile de finir le jeu, hein, une fois qu'on connaît un peu tout. Là, si je jouais pas aussi mal, j'y serais déjà... J'aurais déjà, en fait, deux espèces de batterings qui volent autour de moi, qui servent de protection. Là, c'est un power-up qui va faire grossir mon arme. L'arme en blanc, c'est bien sûr du négatif. Bon, bien sûr, à l'époque, hein, on pouvait pas revenir en arrière. Hein. Tous les power que vous laissez, ils sont perdus à jamais. Quoi. Sauf si vous décidiez de mourir pour le fun. Une grenade qui détruit tous les ennemis à l'écran. Un classique à l'époque. Hein. Le seul power-up, un peu comme l'étoile de Mario. Quoi. Alors j'étais gamin, je kiffais les musiques, ça, les gars, elles sont pas mal en plus. Elle rentre dans la tête en plus. Bon, bien sûr, il est possible de passer au-dessus du décor et tout ça. Je sais pas si c'était volontaire, mais c'était assez marrant, quoi. On va aller jusqu'au premier boss, puis j'arrêterai, on passera à notre jeu. Qui est en fait Jack, avant que Batman, qu'il devienne le Joker, en fait. Non, c'est une mission normale, j'en ai pas besoin. Moi, il me faut les grosses balles ou encore mieux
Oui, c'est les batarangs hein, qui sont là, qui sont la meilleure arme du jeu. Avec ça, vous pouvez faire un boss très facilement. Donc il est basé sur le film, hein, tout bêtement. Non! Quiche! Brel, emmerdeur de première. Bon, c'est pas perdu. Ah si, c'est perdu, c'est le boss. Bon, mais j'ai fait de la grosse merde. Là c'est une vie mais pour la prendre il faut mourir. Oh mon dieu. Le plus bizarre c'est que mon frangin fait marcher sa vieille Game Boy. On a le jeu dessus et j'y arrivais très bien. Mais là non, a priori mon cerveau a décidé de faire de la merde. Le boss le plus facile du jeu si vous avez les batarangs. Ah zut. Lâche-moi. Tout le monde sait que le Joker mesure 4 mètres de haut. Hein. Vous avez tous reconnu la scène où le Joker saute dans la queue, hein, avant qu'il devienne le Joker. Et donc à chaque fin de niveau, vous avez le droit à une petite cinématique bien sympathique. Allez, on se retrouve dans le prochain jeu. Et bienvenue sur Mario. Alors ça fait quoi de voir l'origine de Mario? Vous savez, le petit moustachu qui vous harcèle le temps maintenant. Avec la Wii, la Wii U. Putain, je m'en rappelais pas que c'était aussi chiant de les viser. Faut pas te faire foutre. Hein. Je crois même pas qu'on pouvait courir dans celui-là. Si, il y a une sorte de sprint, mais... Ah, ça remonte à loin, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu. Peut-être encore plus loin que Batman. Ou après, je sais plus. Ah non, je pouvais encore monter. Ouais, ça change des jeux d'aujourd'hui. Vous pouvez le dire, hein, ça vous surprend que je joue à ce jeu. Ben non, en fait. J'y joue. Oh là là, j'y joue très souvent. Ah si, il y avait la fleur. La fleur qui ramasse des... Ouais, ma foi. Pourquoi pas. Non, je suis en train de psychoter en fait sur le fait que la fleur ramasse des pièces. C'est... Ah
les jeux de plateforme, mes préférés. Avouez que vous connaissez tous cette abeille maléfique qui vous tire dessus. Allez. Pam 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 pam. Je l'ai fait en sourdine, mais j'étais en train de hurler dans ma tête. Ça fait quoi, c'est le château de la tortue de jeu. D'accord, les tortues sont des bombes. Ah, ah mon dieu, oh là là. Je vais pas m'en remettre de ce saut. Non, allez, je vais au moins finir ce stage, quoi, bordel. Allez! Fais pas la même connerie que tout à l'heure. Parfait. Va te faire foutre. Allez, le Frankish, cancan. M'en fous, je passerai par la porte du haut. Non, mais tant que j'ai pas le truc qui vient, on va rester là. Voilà, au niveau du timer. Oh, j'avais oublié. Ça va la purge auditive? Faut 3 vies. C'est pas trop mal. Si vous demandez pourquoi il y a des gens qui deviennent fous par rapport à ce genre de jeu, vous avez qu'à écouter la musique. Donc, si on saute sur une tortue, elle explose. C'est bon à savoir, remarquez. Je comptais sauter sur une tortue, justement. Allez, ce niveau, je le termine, on arrêtera la vidéo là. Je veux ma fleur collectrice de pièces. Attendez, on en connaissait beaucoup de fleurs qui collectaient des pièces comme ça. J'adore comme il n'y a aucun effet de sprite différent sur Mario quand vous changez de tenue. Voilà. C'est comme ça qu'on finit Mario. Allez, nouvelle purge auditive. Et on va arrêter là pour ce jeu-là. Et on va passer au tout dernier de ma sélection. Ah, je m'en rappelais plus. Je suis désolé. Je me rappelais tellement plus de ce niveau. Salut. Vas-y, le Sphinx, qu'est-ce que t'as? Allez, à tout de suite dans le prochain. Et ouais.
Donc nous sommes de retour sur Batman. Là, c'est le retour du Joker. Je me rappelle plus l'avoir fait. Si je mets pas le jeu en route, ça marchera pas. Y avait des options. D'accord. Ah. Possibilité de mode hard. Bien sûr, tout le monde peut le voir, hein. On commence toujours dans les égouts. Ah. On a le grappin. Alors, lui par contre, j'ai rien à dire. Je ne sais pas du tout comment il se termine. Enfin, je me rappelle plus du moins. Mais on peut déjà voir que les mouvements sont déjà mieux. Ah oui, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps que j'y ai joué. Je suis en train de me faire démonter. Ça craint. Voilà. Il est déjà beaucoup mieux que celui qu'on a joué juste avant. Il y en avait des continues. Heureusement que je ne l'ai pas mis en mode dur. Ah, quel bread. Mourir au premier niveau, quoi. Ah. Mais non. Je suis en train de me faire défoncer parce que je suis tombé dans l'eau, quoi. Tout le monde sait que l'eau c'est le plus mortel, quoi. Si vous me demandez de faire un mode hard là-dessus, je vous ai tous. Allez. Excusez-moi, je suis concentré, j'essaye de pas mourir. Concentré en un seul mot, pas con et centré. Wow, il s'est passé quoi là? Au, 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 oui, ça y est, je suis passé. Non. La vie, allez, prends la vie. Voilà. Ça va me permettre de rester un peu plus dans le jeu. Je suis mauvais! Mais vous pouvez le dire, hein, je suis mauvais. Oui, vous venez de le remarquer, les ennemis vous touchez pas. Tant qu'ils ne frappaient pas, c'est... Non, monte, je t'en supplie, monte. A priori, il a décidé de me désobéir, Batman, aujourd'hui.
Ah, pourquoi j'ai été arrêté? Je sais par quoi. Mon Dieu. Bon, tant pis. Passons aux choses suivantes. Ça se casse pas ça? Mon Dieu. Allez, courage. La petite vie qui va avec. Foire à toi. Mais je l'avais dit. Et on va passer devant cet échec monumental au jeu suivant. Oh mon Dieu, c'était pourri. C'était vraiment pourri. Voici Metroid 2 Return of Samus. Ah. Oh, le jeu qui est bien. J'adore ce jeu. Ah. Ouais, on avait déjà la capacité morphine. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Another Metroid 2, qui était excellent d'ailleurs, hein, qui est un super bon jeu. Oui, je fais de la pub alors. Je vous avais dit à quel point j'étais fan de Metroid, et ben c'est toujours la vérité. Non, je surkiffe ce jeu. Donc c'est pour ça que je vais pas faire une vidéo trop longue. Fait une partie de vidéo trop longue sur ce jeu. Je voulais juste montrer quelques jeux. Si vous avez des jeux que vous voulez voir sur Game Boy et tout ça, vous me le dites dans les commentaires. Vous les notez. Et je les ferai pour vous en vidéo. Et je répète, hein, me demandez surtout pas de faire mode hard sur Batman, le retour du Joker, d'accord? Sinon, je vous maudis. Ah putain, j'adore. On peut noter que les mouvements pour l'époque étaient vachement bien faits. Ah là là. Excusez-moi, je suis en train de profiter de ce jeu. Je vais me faire démonter, mais... Voilà, c'est fini. Non, je me rappelais pas que t'as m'arrêté comme ça. Bref, voilà, c'était une petite vidéo sur des vieux jeux bien rétro de chez nous. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.